Lève-toi rapidement, le temps ne prend pas la gorge. Comme le pasteur Maurice disait tout à l'heure, je me sens aussi très fatigué ce matin, mais l'Éternel est notre force. L'Éternel est notre force. Ma femme me disait un jour que, mais est-ce que tu sais que tu n'arrives pas à faire 4 heures de sommeil? Et je lui ai posé la question. Je suis un fils. Certainement, les gènes me sont transmis. Alléluia. Ce matin, l'Éternel est notre force. L'Éternel est notre joie. L'Éternel est notre paix. Je suis venu te dire que tu n'es jamais seul. Je suis venu te dire que tu n'es jamais abandonné. Qu'importe ce qui t'arrive, tu es scellé avec son esprit. Et parce que tu es scellé avec son esprit, tu as toujours une compagnie invisible avec toi. Ouvre ta Bible. Nous continuons sur notre thème. La présence de Dieu. Ouvre ta Bible dans Job 36. Nous allons lire le verset 11. Job 36, le verset 11. Est-ce que tu as la page? 1, 2, 3, go. S'il écoute et se soumet, il achève leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Lisons une fois de plus. 1, 2, 3, go. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Allons dans Jean 12, notre verset phare. Verset 20, 21. Un de trois gros. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Assieds-toi. » Car ce matin, la continuité doit être avec Jésus. Même que ce matin nous sommes rassemblés au nom du roi des rois, du seigneur des seigneurs. À cette époque, pour accueillir ce roi digne, ce seigneur digne, les rues de Jérusalem étaient embellies par des rameaux, des palmiers, signe de la victoire. Et ces non-juifs, appelés grecs ici, faisaient partie de la fête pour faire la volonté des retrouvailles. Ils faisaient partie de la fête. Mais dans un jour, ce fameux jour, où leur volonté personnelle les a poussés, les a entraînés vers le frère Philippe. Et ils lui ont dit, frère, Seigneur, nous aimerions voir Jésus. Mets-nous en contact, s'il te plaît, avec Jésus.
tout ce dont il désirait depuis. Ne résidait pas entre les mains de Dieu, mais était dans sa face. Par conséquent, la personne qui était indiquée pour les conduire dans la présence de Dieu n'était autre que Jésus. C'est la raison pour laquelle ils ont parlé à Philippe avec insistance. S'il te plaît, nous aimerions voir Jésus. Gloire à Dieu, parce que nous servons un Dieu qui se laisse toujours découvrir. Lorsque la disponibilité de l'homme fait surface. Et ce matin, je suis venu te dire, ta disponibilité compte pour tout ce que Dieu veut faire avec toi. Il a des plans pour toi et moi. Mais toi et moi, nous devrions être disponibles. Ces Grecs étaient disponibles. Quelqu'un ce matin doit m'aider à dire à son voisin, doit m'aider à dire à sa voisine, s'il te plaît, rends-toi disponible. Rends-toi seulement disponible. Job disait l'autre jour, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèveront leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Cette joie également synonyme de délices. Ils achèveront leurs années dans les délices. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de délices. La vie chrétienne est une vie de joie. La vie chrétienne est une vie d'abondance. La vie chrétienne est une vie de bénédiction. S'il y a un Dieu qui ne force pas une porte fermée, c'est le Dieu du christianisme. C'est pour cela qu'il a dit, voici je me tiens à la porte et je toque. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. Je souperai avec la personne là. Et cette personne soupera aussi avec moi. Écoute-moi, Zachée en est un exemple. Il s'est rendu disponible. Et le Seigneur lui-même est entré chez lui, ayant trouvé la porte ouverte. Et il a soupé avec Zachée. Et Zachée a soupé avec lui. Ce matin, il s'agit de se rendre disponible. Il s'agit d'être disposé pour que la rencontre qui a déjà eu lieu depuis des années que tu es dans le Seigneur, continue dans la perpétuité. Zachée avait ouvert la porte et le Seigneur est entré. Ouvre seulement la porte, il entrera, il soupera avec toi et toi tu souperas avec lui. Bien-aimé, si la volonté de notre foi repose sur la résurrection de Christ, alors la vie de notre foi se trouve dans sa présence. Dans sa présence, il y a une vie à expérimenter. Et c'est dans cette présence permanente, sa volonté doit être la chose la mieux partagée. C'est pour ça que Jésus a dit, dans Jean 6, le verset 38, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté,
mais pour faire la volonté de celui-là qui m'a envoyé. Autrement dit, le seul motif de Jésus pour ce qui concerne quoi que ce soit qu'il avait à faire, son seul motif, c'était d'être dans la volonté de Dieu. Donc toutefois, lorsque je suis dans la présence de Dieu, je dois être soumis à ce Dieu. Corps, âme et esprit. Pourquoi? Pour faire sa volonté. Bien aimé, la soif de faire la volonté de Dieu a la capacité d'éradiquer toutes sortes d'envies charnelles en toi. Lorsque tu as cette soif et lorsque tu retournes dans cette soif, il n'y a plus de possibilité de ballotage. Car tu es inondé dans son esprit. C'est pourquoi la manifestation de Dieu dans la chair demande que lorsque Dieu fait un arrêt, moi également, je dois faire l'arrêt. Quelqu'un n'a pas compris. Écoute-moi, la manifestation de Dieu en toi exige ceci. Quand il s'arrête, tu dois t'arrêter. Si il s'arrête, tu continues. Il n'est plus avec toi. Quand Dieu décide de continuer à avancer, tu dois avancer avec lui. Quand il s'arrête, frère, arrête-toi, soeur, arrête-toi. C'est lui qui est aux commandes. Tu ne sais pas ce qu'il veut faire en ce moment. Mais arrête-toi seulement. Mais dans les secondes qui suivent, tu sauras pourquoi il s'est arrêté. Écoute-moi, dans Jean 4, les disciples ont dit à Jésus, ils l'ont amené à manger. Donc ils ont poussé Jésus à manger. Et Jésus leur a répondu en disant ceci. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai aimé ce verset dans une autre version. Qui dit ceci. J'ai à me nourrir d'un aliment que vous ne connaissez pas. Jésus devait se nourrir d'un aliment. Et les disciples qui étaient plus près de lui, il leur dit, vous ne connaissez pas cet aliment. Et j'ai réfléchi. Et j'ai arrivé à la compréhension selon laquelle, pour les disciples, cet aliment concernait certainement un mets bienfait. Alors que pour Jésus, cet aliment n'était autre que la volonté du Père. Il a dit, non, j'ai à me nourrir d'un aliment. Mais vous ne connaissez pas encore cet aliment. Cet aliment, c'était quoi? C'était la volonté du Père qui l'a envoyé. C'est pourquoi Jésus a dit, en vérité, le Fils ne prend aucune initiative. Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut que faire ce qu'il voit le Père faire. Écoute-moi, dans la présence de Dieu, ta pensée doit être en accord, doit être en harmonie avec sa volonté. Afin que tu entres pleinement dans le droit de la délégation d'autorité, dans le droit de la délégation du pouvoir, ta pensée, une fois connectée avec sa volonté, bien-aimé, tu baignes dans un pouvoir que lui-même a délégué. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, tu me dis que tu ne sais pas parler. Maintenant, je te fais Dieu devant Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. C'est ça la délégation du pouvoir. Dans cette présence avec lui, il t'a délégué des pouvoirs.
C'est pour ça que le Père nous disait l'autre jour, lorsqu'il nous enseignait, que celui qui est dans la présence de Dieu, autrement dit, celui qui veut voir les dons de l'Esprit se manifester en lui, doit être dans la présence de Dieu. Celui qui veut voir les dons de l'Esprit se manifester, bien-aimé, soit dans la présence de Dieu. Il y aura la délégation d'autorité. Il y aura la délégation de pouvoir. Il y aura ce transfert. Parce que tu es devenu un même esprit avec lui. Et les choses vont se dérouler à une autre dimension. Dieu va dire, s'ils écoutent et ils se soumettent, ils finiront le jour dans le bonheur. J'ai aimé cette version. S'ils écoutent et se soumettent, ils finiront le jour dans le bonheur. Et leurs années s'achèveront dans les délices. Bien aimé, il y a des bénédictions attachées à la présence de Dieu. L'une des choses importantes que toi et moi, je désire que nous puissions retenir ce matin, c'est que Dieu ne désire pas être en présence d'un vase pur. Dieu ne désire pas être en présence d'un vase sain de caractère. Parce qu'il nous a dit l'autre jour, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais voici le problème avec Dieu et nous. Dieu désire l'obéissance, la soumission et la disponibilité. Va demander à Moïse. Il va te dire que Dieu lui a dit, lève la main, lève ta main vers le ciel et les ténèbres vont couvrir tout le pays d'Égypte. La Bible dit que Moïse a obéi. Autrement dit, il s'est soumis, il s'est rendu disponible. Et lorsqu'il a levé la main Bible dit que des épaisses de ténèbres avait couvert tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Au point où les uns et les autres, étant assis ensemble, ne pouvaient plus se voir. Les personnes sont restées scotchées à leur place qu'elles avaient occupée pendant ces 3 jours à cause des épaisses ténèbres qui avaient couvert le pays d'Égypte. Mais la bonne nouvelle de l'autre côté, la Bible, la même Bible nous dit que pour ce qui concerne là où il y avait les enfants d'Israël, la lumière était en abondance. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, dans sa présence, il y a une lumière abondante. Je dis, dans sa présence, il y a une lumière qui ne dit pas son nom. Chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, je dois pouvoir parvenir à pratiquer l'amour. L'amour et le pardon. Si je n'arrive pas à pratiquer l'amour, si je n'arrive pas à pratiquer le pardon, alors là, en ce moment, commence l'interrogation pour ce qui concerne la présence dans laquelle je suis avec lui. Dans sa présence, je ne combats pas avec la haine. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu ne peux pas combattre avec la haine et tu te dis être dans la présence de Dieu. Mais le véritable combat dans sa présence, c'est l'amour, c'est le pardon. Beaucoup combattent avec la haine. C'est pour cette raison que aujourd'hui, dans certains cœurs, Dieu devient un prisonnier. Dieu est comme un prisonnier dans ses cœurs.
ne l'honore pas. Mais dans d'autres cœurs, Dieu se réjouit. Il apporte la paix. Il apporte la joie. Il apporte les bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce matin, pour toi et moi, c'est que nous puissions entrer dans ces bénédictions. Et quiconque pratiquera l'amour, quiconque pratiquera le pardon, la personne devrait se rassurer, être dignement dans sa présence. Écoute-moi, le Père enseignait l'autre jour, et il nous faisait comprendre une chose, ou deux qui m'ont béni. Il disait ceci, dans cette affaire, de vivre dans la présence de Dieu, il ne s'agit pas pour moi de prendre la décision de ne pas me retrouver dans un lieu dit du monde ou un lieu obscur. Première chose. Il ajoute, dans cette affaire concernant la présence de Dieu, il ne s'agit pas pour moi de me retrouver dans un joug quelconque d'une loi qui limite mes actions. Il poursuit en disant ceci. Mais l'essentiel pour moi, ce qui est meilleur pour moi, c'est d'avoir la conviction que là où je suis, là où je vais, c'est pour sa gloire. Il dit l'essentiel pour moi, c'est d'avoir la certitude que ce lieu dans lequel je me trouve, ou ce lieu dans lequel j'envisage partir, j'y vais pour honorer Dieu. J'y vais parce que Dieu a commencé à marquer les pas au travers de mes jambes. Voilà l'essentiel, bien-aimé. Lorsque tu arrives à ce niveau, lorsque tu commences à comprendre que dans tout ce que tu entreprends faire, dans tout ce que tu entreprends dire, dans tout ce que tu veux entendre et voir, Dieu doit être loué au début et à la fin. Alors, dès cet instant que tu es hanté par cette pensée, tu es sûr d'être dans sa présence. Dès cet instant que tu sais que tu n'y vas pas pour tes besoins charnels, tu n'y vas pas pour satisfaire ton désir, mais tu y vas parce que sa présence qui est en toi est en train de te diriger, est en train de te guider. Et cette présence pour toi devient un refuge. Cette présence pour toi devient un soutien. Et dans ces conditions, je suis capable de dire haut et fort, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Bien-aimé, lorsque c'est Dieu qui au travers de tes jambes se retrouve dans ce lieu, tu ne chantes pas les chansons que tu es en train d'entendre dans ce lieu. Tu ne marches pas au pas de ce que tu as trouvé dans ce lieu. Il y a battu le verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera sous ta tente. Car il ordonnera à ses anges dans cette présence de te porter sur leurs mains. C'est ça la présence de Dieu, frère. Tu ne diras pas, ils sont en train de me voir dans ce lieu. Parce que tes yeux physiques ne sauront même pas qu'ils sont en train de te voir. À cause de cette présence qui est avec toi. Écoute-moi bien. Dans la présence de Dieu, lui-même Dieu prend soin de toi. Quels que soient tes besoins, c'est lui
as besoin. Va demander à Élie. Il va dire que c'était en temps de famine. Dieu a fermé l'estomac du corbeau. Et a mis la viande dans sa bouche. Et a dit, va donner à mon serviteur. Écoute-moi pour ce qui concerne Israël. Le jour, cette présence marchait avec Israël. Pour le guider comme une colonne de nuée. Et la nuit, la même présence marchait encore Israël. Comme une colonne de feu pour l'éclairer. Je suis venu te dire ce matin. Dans la présence de Dieu, tu es même esprit avec Dieu. Et le Père disait, ce qui ne peut pas tuer Dieu en ce moment, ne peut pas aussi te tuer. Si seulement si tu es dans sa présence, il y a communion d'esprit. Son esprit vient épouser ton esprit. Et dans cette communion, ce qui ne pouvait pas lui arriver, ce qui ne pouvait pas le détruire, ne peut pas te détruire. Tu as peur pour rien. C'est parce que tu ne sais pas que tu es dans cette présence que tu as peur. En fait, il venait de dire, tu n'es même pas dans sa présence. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du démon. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, je termine avec ça en te disant, la vie chrétienne, pour toi, est un fardeau. Pourquoi? Parce que tu es venu pour connaître un homme. Tu n'es pas venu connaître Dieu. Personne ne peut arriver à sa connaissance. Et la personne porte un fardeau qui s'appelle la charge chrétienne. Ton problème à toi, c'est que tu es venu pour connaître les fidèles de l'église. Tu es venu pour connaître qui s'assoit constamment à côté de toi. Tu es venu constamment pour savoir qui parle de toi et qui ne parle pas de toi. Tu es venu pour savoir qui est en train de chercher ta maison ou tu n'es pas en train de chercher ta maison. Tu es venu pour savoir qui a une nouvelle paire de chaussures ou qui a porté une veste. Tu es venu connaître les hommes. Tu n'es pas venu connaître Dieu. Parce que toute personne, tout fils digne, toute fille digne qui arrive à sa connaissance. Bien-aimé, quand la personne marche, tu sens encore que il y a quelque chose qui marche avec elle. Dans ma prière pour toi ce matin, tu vas te lever sur tes pieds. Une seule prière que nous avons à faire.